Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'Histoire de Junior Lobo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même très important. Il s'agit de la demande en mariage de Tenor à Enes Unan. En fait, je suis Junior Lobo et si c'est la première fois que tu arrives ici, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Bref, comme je disais en début, on va parler d'un événement exceptionnel qui a eu lieu ce 21 janvier 2022. Gang, gang, gang. Tenor a demandé la main de Enes Unan. Eh hey, ouais, j'étais là depuis le début et aujourd'hui je vais partager avec vous tous les événements depuis le moment où on préparait la pièce où devait avoir lieu la surprise, au moment où elle est arrivée, la partie où elle a dit oui, la partie du discours. En tout cas, on se retrouve derrière après le générique. Les amis, tout du côté, c'est pas long. Les stories de Junior Lobo. On commence. On s'aborde. On live. On partage. On live. On s'abonne. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de partager. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de liker. Partage à ta famille. Partage à tes parents. J'espère que vous êtes bien installés car ça commence. Il est important de recadrer les choses. À plusieurs reprises, l'histoire entre Tenor et Enes a été mise au centre de plusieurs débats, que ce soit sur la toile, sur les plateaux de télé, comme de radio, de Libreville en passant par Bamako, Abidjan, Yaoundé. Tout le monde parlait de cette histoire. Certains pensaient que c'était un buzz, pour d'autres c'était la réalité. Jusqu'à ce qu'un jour Enes est arrivé comme ça dire sur un plateau que c'était la blague. Et là alors c'était la confusion totale. Tenor et moi nous ne sommes pas en couple. Nous ne sommes pas en couple. Chacun a sa vie privée comme je l'ai dit dans le communiqué. Et je demande pardon vraiment à toutes ces personnes qui ont cru en ça et qui croient toujours en ça. Vraiment, il faut que ça s'arrête. Parce qu'aujourd'hui, vous en riez, mais il y a des personnes en bas qui ne supportent pas, qui en pleurent et qui sont dans la dépression, pardon. Et moi, je ne peux pas supporter ça. Donc, retenez aujourd'hui. Même le soutien sur les réseaux sociaux, on va dire, l'autre va partager tant et tout. Moi, j'arrête ça même aujourd'hui. Moi, je ne suis plus là-dedans. Ça vous me dépasse. Mais tout a basculé, si je peux dire ça comme ça, au moment où Tenor a eu un événement malheureux qui a coûté la vie à une jeune demoiselle, peu à son âme, un accident de circulation. Et on a vu comment est-ce que Enes a été là pour lui. Elle a été à son chevet, que ce soit à l'hôpital, que ce soit pendant toute sa procédure judiciaire. Et on a vraiment vu comment cet amour-là, qu'elle avait déjà déclaré comme étant une histoire de buzz, que c'était terminé. On a vu comment c'est revenu encore comme un phénix, en fait, un truc qui renaît de ses cendres. Bref, je ne vais pas trop bavarder, mais je vais vous, aujourd'hui, le sujet, c'est la demande en mariage, comment est-ce que ça s'est passé. Donc, je vais vous laisser regarder un peu pendant ce qu'on préparait la salle et puis vivez le moment. Parce que j'ai fait un live sur mon compte personnel et il n'y avait malheureusement pas cette partie. Mais sur cette vidéo, vous allez voir comment est-ce que... Gars, c'était quelque chose de magique. Je vous laisse regarder vous-même. Allez, on y va. Du côté, c'est fort. Ah, c'est... Il faut ça. Les deux qui sont sur les amis, tout du côté, c'est pas long. Oh, c'est Monsieur Charles. Tu voulais seulement sortir. La 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 la
tu dis non. La barre est haute, c'est ça. Charles, c'est tout. On a tout enregistré. Donc, on est là. C'est en direct, c'est en direct, jusqu'à. Reste le conseil. Si on dit non, il va s'arranger à 10 minutes. Il y a deux choix, oui, oui. C'est tout, c'est vrai? Oui, alors. Non, on n'a pas compris. Tu peux quoi? On ne veut pas alors. J'ai dit que oui. Oui quoi? Oui quoi? Oui quoi? Oui quoi? C'est en anglais. Oui quoi? Oui, j'accepte. J'accepte quoi? J'accepte quoi? J'accepte de devenir Madame Aïa. De devenir ta femme au cœur. Oh, merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci d'avoir rendu ma journée là vraiment. Attendez d'abord. Inoubliable. Et oui. Et oui. Il y a le shampoo pour. Et oui. C'est toi mon bébé d'amour. Et que 8e est là-bas, DJ. Et que ta fille, tu viens avec la bouteille, tu ne fais pas le service. Tu as la trouille. Présente d'abord. Tu as la trouille d'ouvrir le trouillard. C'est une bouteille, c'est un trouillard. Oui. Voilà. Et tu as la trouille d'ouvrir le trouillard. Élection. Voilà. Donc, on laisse le soin à madame de. Avec ou sans chaleur. Avec chaleur. Sauf quoi la champagne. 8e est là. 8e est là. Allez, remue la bouteille. Ah, c'est là, c'est là, ta fille, c'est la faille là, c'est là, c'est là. Voilà, DJ, voilà, oh là là. C'est toi son bébé d'amour. C'est toi son bébé d'amour.
parle plus fort. Si tu es passé, même quand c'est quelqu'un qui le veut. Merci beaucoup. Ça s'applaudit. S'il vous plaît, un dernier applaudissement. Merci. Oui, nous partons. J'aimerais bien tenir un discours. Discours alors. Mais les mots me manquent. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est merci d'avoir immortalisé ce moment que j'espère est le début de l'immortalité entre elle et moi. Oui. Vous venez de participer à quelque chose de scellé. On espère que même la paix, mon Seigneur, nous pourrait décider. Merci infiniment d'avoir participé à cela, aussi petit, aussi grand. Le plus important, c'est que ce soit marquant. Et vous avez permis de marquer aujourd'hui tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Vous avez permis que ce soit réel, que ce soit palpable, que les émotions les plus fortes qui ont drainé mon cœur et mon âme puisse atteindre mon âme sœur par les actes. Donc je vous demande encore d'applaudir pour vous. Madame Aya, je te serai très fort. Soit être un grand poète. Mais bon, je vais conserver mes mots pour la nuit de noces. Voilà, vous avez vu vous-même comment est-ce que le truc était. C'est, vous voyez que ce n'était pas le buzz, ce n'était pas quelque chose de préparé. Eunice elle-même, elle ne s'attendait pas. Donc, la seule chose que moi je peux dire, laissez le bavardage que c'est un buzz, que c'est un clip, c'est un film. Non, il s'agit tout simplement de la réalité. Et moi, je souhaite au couple bonne continuation. On voit comment est-ce que les deux là s'aiment vraiment. Et comme je n'ai pas encore dit pour certains, vous voyez que la distance n'est pas un frein quand on s'aime. Et voilà comment ils viennent encore de vous démontrer ça. Bonne continuation à vous. Et surtout, pour ceux-là qui viennent encore de découvrir la chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. On se revoit très bientôt pour de nouvelles stories avec Junior Lobo. Allez, on est ensemble. On like, on partage, on like, on s'abonne. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker. Partage à ta famille, partage à tes parents.